Ça fait très plaisir. Non, c'est comment le dire de manière originale. Non, c'est très gratifiant. C'est très. Après, je faut que je fasse attention à ne pas croire. Enfin, ça peut être très trompeur de croire que on nous aime, tout le monde nous aime, les critiques, etc. Voilà. C'est très compliqué de ne pas commencer à faire les films dans une optique adressée à quelqu'un et à. Donc j'ai toujours l'impression que chaque récompense est à la fois un cadeau et un avertissement à faire gaffe. Donc voilà. Et je pense que c'est très bien d'avoir les deux à la fois. Donc voilà. Le fait que le film était très bien accueilli par la presse, c'était très fort en soi. Et puis c'est vrai que ça venait un peu colmater la difficulté de la sortie, où on est sorti le pire jour de l'année, voire de la décennie. Avec l'instauration du pass sanitaire, tout ça, et voilà, donc ça nous a permis d'oublier pendant un temps ce truc-là, quoi. Et puis même, non, c'était... Bon, moi, j'ai lu à peu près tout ce qui s'était écrit, j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment... même qui m'ont appris des choses sur le film, enfin, tout ça m'intéresse, quoi. Faire un film, c'est une espèce de naissance très très longue et très étagée, comme ça, par étapes, avec au départ l'impression qu'il y a vraiment une chance sur deux que le film n'existe jamais, qu'il ne se fasse pas, que surtout un film comme ça qui est un peu risqué, un peu compliqué, un peu hors sol. Du coup, c'est un moment où on a l'impression de toucher enfin concrètement ce que le film fait aux gens. Et voilà, c'est un espèce de retour en partie réflexif où on se met à se demander qu'est-ce qu'on a fait, comment c'est perçu, avec quoi on est d'accord et quoi on n'est pas d'accord. Il y a toujours des textes qui sont plus... Enfin, des textes ou des... Ouais, des critiques qui sont plus troublantes que d'autres. Je trouve aussi que c'est pas facile de... Les quelques critiques, c'est-à-dire qui émettent des réserves, c'est toujours intéressant de se questionner sur comment on les reçoit, pourquoi on arrive à les recevoir ou pas. Et voilà, c'est un moment intéressant, quoi.